Votre ex-femme vous manque et vous ne savez pas comment contrôler vos émotions. Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans ce podcast Comment récupérer son ex. Je suis Alexandre Cormon, votre love coach, votre expert depuis 2007. J'ai eu la chance d'accompagner plus de 10 000 personnes. Je suis donc un coach qui vous accompagne sur le terrain et qui essaie de confronter mes idées avec toutes les personnes que je coach pour essayer de trouver des solutions. Lorsqu'il y a une rupture avec votre femme, que vous avez été ensemble en couple pendant très longtemps, vous avez sûrement acheté une maison, eu des enfants ensemble, vous allez forcément subir une séparation et donc vous sentir mal. Lorsque votre femme vous manque, vous ne devez jamais réagir sous le poids des émotions. Je croise trop d'hommes qui ont tendance à crier leurs sentiments, à dire à leur femme qu'ils l'aiment, et puis surtout à se montrer en demande. Alors qu'aujourd'hui, dans cette reconquête, vous allez devoir reprendre le contrôle grâce à un changement d'attitude. Si aujourd'hui votre femme vous manque, vous allez devoir tout faire. Et quand je dis tout faire, c'est vraiment donner le meilleur de vous-même pour occuper votre esprit. Que ce soit grâce au sport, grâce aux sorties, grâce à l'entourage social que vous allez pouvoir avoir avec vos amis, vos proches. Il faut que vous soyez jamais tout seul et toujours dans la démarche d'essayer de provoquer des choses pour que vous ne pensiez moins à votre femme. Si je vous dis cela, c'est parce qu'une reconquête doit se mener uniquement lorsque vous êtes fort. Cette reconquête doit se mener uniquement lorsque vous êtes capable aujourd'hui, vous, de modifier votre comportement. Alors pour récupérer son ex-femme, pour lui montrer qu'elle ne vous manque plus forcément, mais que vous souhaitez remettre en place de la complicité, que vous souhaitez surtout recommuniquer avec votre femme, vous allez devoir y aller naturellement. Et pour cela, on travaille sur un processus qui s'appelle la visualisation. Il s'agit de fermer les yeux, de contrôler votre respiration et de visualiser votre femme comme votre meilleure amie. Pourquoi? Parce qu'avec votre meilleur ami, vous avez le bon ton de voix, vous avez les bons mots, la bonne attitude, bref, vous êtes décomplexé. Et aujourd'hui, en matière de reconquête sentimentale ou pour sauver son couple, il est nécessaire que vous soyez à la fois décomplexé, c'est-à-dire ne pas avoir un manque de confiance en vous, ne pas mettre votre femme sur un piédestal, mais deuxièmement, que vous arriviez à recréer une vraie complicité. Et pour recréer une vraie complicité, il faut savoir tirer un trait sur le passé et retrouver en fait un dialogue complice, donc autour du rire, autour de l'unique, c'est-à-dire recréer ce qui faisait qu'entre vous c'était parfait, c'était l'idéal, que vous arriviez à terminer les phrases l'un de l'autre. Et toute cette alchimie va se mettre en place petit à petit. Donc lorsque votre femme vous manque, il faut premièrement vous forcer à occuper votre esprit et deuxièmement vous dire que vous ne devez surtout pas lui parler du passé, de vos sentiments, de votre manque, pour ne pas vous concentrer justement sur l'aspect du couple, mais sur ce qu'il y a de plus important, à savoir le partage, la communication, le sourire. Alors, tout le monde me dit, mais Alex, tu te rends pas compte, aujourd'hui, moi, perdre ma femme, c'est me détruire. J'ai même pensé au pire, donc je vous dirai pas quoi, mais je pense que vous m'avez compris. Par rapport à cette situation, je vous dirais, c'est normal de se sentir mal. C'est normal de ne pas aller bien après une séparation. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? C'est la conviction, c'est la force de caractère. Pourquoi? Parce que si vous faites ce que je vous demande, vous allez avancer grandement dans votre reconquête. Donc vous pourrez toucher au but. Alors pourquoi faire des erreurs? Pourquoi montrer à votre ex-femme qu'elle vous manque alors que vous pouvez très bien la récupérer si vous modifiez votre comportement? Posez-vous cette question aujourd'hui. Rejoignez-moi sur Facebook Alexandre Cormon, coach et auteur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou visitez mon site alexandrecormon.com et vous verrez qu'il existe des réponses à vos questions. Mais pour cela, vous allez devoir vous faire mal, vous faire violence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, podcast Reconquête.